Shalom, shalom and welcome back to our live shalom, broadcast. Shalom, shalom. Bienvenue à notre étude de notre journée de sabbat aujourd'hui. Nous sommes dans notre 13e semaine de confinement. Alors que plusieurs endroits rouvrent à nouveau, ça nous montre que ça rouvre, mais le virus n'est pas encore parti. C'est encore là. J'ai vu ce matin qu'il y a encore 8 800 000 cas de COVID-19 dans le monde. Et ça grandit. Il y a 463 000 morts récemment. Et le ministre de la Santé, la semaine dernière, a dit qu'il y a 95 % des chances que ça continue encore en automne. Est-ce qu'on va être obligé de rester à la maison encore ou quoi? On ne sait pas. Ça doit être difficile pour les gens de cette planète de vivre sans avoir la foi en Dieu présentement. Donc, tranquillement, on a hâte d'être enfin avec notre Dieu de l'univers. Ce matin, en fait, cette semaine, on a eu une requête de prière assez spéciale du Maroc. En fait, c'est ma sœur qui la vit là-bas. De prier pour le roi Mohamed le VI. Elle me dit qu'il est vraiment sympathique aux Juifs présentement. Et c'est comme son grand-père, qui s'appelait Mohamed le V, qui était aussi favorable aux Juifs durant la guerre de 67 contre les Juifs. Alors même, il a arrangé que ce qui se passait à la radio soit des informations qui fassent que les gens ne se soulèvent pas contre les Juifs. Alors nous prions que Dieu puisse bénir ce pays-ci, tous les pays du monde, et afin que les gens se tournent vers Dieu, et spécialement Israël, bien sûr, le peuple de Dieu. Alors, nous allons regarder... avant d'aller dans notre étude, nous allons prier pour nos enfants. Si vous avez des enfants avec vous, vous pouvez mettre les mains sur leur tête, mettez-les autour de vous et prions pour eux. Adonai Elohenu, Adonai Erad, Seigneur, nous prions que nous te louons, que tu es tellement magnifique, et nous prions que nos fils et nos filles soient à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ta voix, Seigneur, afin qu'ils se tournent vers toi, qu'ils soient forts et courageux, afin qu'ils sachent que c'est toi, Seigneur, qui est avec nous, qui est avec eux, qui les accompagne. Et donne-leur, Seigneur, d'avoir l'intégrité du cœur et de se tenir droit devant toi, et qu'ils puissent vraiment... Nous prions que tu les bénisses abondamment, au nom du Seigneur. Amen, amen. Si vous avez vos Bibles avec vous, tournez dans le chapitre 12 de Zacharie, la dernière section du livre de Zacharie, où nous allons parler des tribulations, où on va voir des informations assez étonnantes sur les nations alentour d'Israël et qui ensuite vont envahir Israël. Si jamais vous êtes allé à Jérusalem, vous avez vu comment les gens alentour sont prêts, sont tout alentour, sont très proches et qui sont vraiment... ils ont une frontière très longue en Israël et c'est pas évident à défendre. Et toutes les nations du monde vont un jour se tourner contre Israël. Plusieurs d'entre elles ont juré de détruire Tel Aviv et Israël. C'est difficile de voir comment facilement l'ennemi peut entrer. Et même aujourd'hui, quand on visite Israël, on sent une haine contre les Juifs et contre la maison de Dieu. Et on se demande comment les Juifs vont survivre. Et c'est dans ce passage que nous allons voir l'expression qu'on voit souvent, le jour du Seigneur, ou encore qui dit parfois seulement le jour. Dans les versets 3, 4, 6, 8, 9 et 11, on va voir ça dans notre texte ce matin.
Et on voit que ça parle des dernières guerres qu'il va avoir avant, sur cette planète avant le retour du Seigneur. Seulement dans le chapitre 12, le jour comme tel est mentionné 7 fois, pour un total de 20 fois dans seulement les 3 derniers chapitres de Zacharie. Mais alors que ça parle de guerre et de tout ça, il y a encore plus, davantage de versets qui parlent de bénédiction. Donc, les nouvelles de ces guerres sont dérangeantes, mais en fait, il y a plus de versets qui parlent de triomphe, de victoire que de la guerre. Et si c'était seulement, on parlait de guerre, ce chapitre-là serait très court. Mais on voit que Dieu, dans sa grâce, a permis que des versets encourageants soient vraiment avec ces versets. Alors, on voit aussi l'importance pour Dieu de la ville de Jérusalem dans son plan. Alors, il va amener un jour un nouvel état de paix dans Jérusalem. On va voir ça dans les textes. Plusieurs textes parlent de ça. Si les gens du temps de Zacharie auraient eu seulement les versets un à l'arrêt de l'autre sur les guerres, ils auraient sûrement été découragés, mais nous voyons que Dieu a permis de donner des prophéties magnifiques de victoire là-dedans. Vous savez, dans le nom de Jérusalem, dans le chapitre 12, est mentionné 11 fois. Et pour un total de 23 fois dans seulement les 3 derniers chapitres du livre de Zacharie. Encore plus, si on compte aussi les noms, Judas est mentionné 6 fois dans ce chapitre de seulement 14 versets. David, 5 fois. Les nations du monde, on les mentionne 6 fois. Mais si on fait un ratio, on additionne les fois où c'est mentionné Judas et David, c'est 11 fois contre 6 fois par rapport aux nations. Donc, on voit la grâce de Dieu dans cette information-là également. Aujourd'hui, on voit que ce n'est pas juste un livre qu'on lit dans plusieurs années avant. On devait lire ce livre-là en se demandant un peu ce qui va arriver. Mais là, on voit que nous sommes à la porte de ces événements-là qui vont se passer bientôt. Alors, on va voir, ces versets sont très directs et en même temps, ils ont une grande, grande profondeur lorsqu'on lit ces passages. Par exemple, on parle dans ces textes-là, on parle des chefs de Juda, on parle de la maison de Juda et on parle des tentes de Juda. Donc, on voit qu'il faut regarder attentivement dans le texte pour voir les différences. Et on voit comment le nom de Jérusalem est important pour Dieu. Il en parle tellement souvent. On lit aussi au sujet de 4 familles, la famille de David, de Nathan, de Lévi et de Shimei. Pourquoi ces distinctions différentes? Est-ce que Nathan, c'est le prophète ou c'est le frère de David? Et qui est Shimei? Il y en a 43 dans les Écritures des Shimei, donc on peut se demander lequel on parle ici. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, cette étude de ce texte-là. Et le point principal, c'est le retour du Seigneur, et non seulement pour Israël, mais toutes les nations alentour. Et même toutes les nations vont voir aussi celui qu'ils ont percé, parce que tout le monde, dans le fond, était participant de la mort de Christ en le rejetant. Maintenant, nous allons voir comment le Ruach Kodesh, l'Esprit Saint, nous amène dans ce moment des temps de la fin. Et ma prière que nous soyons bénis de cette parole inspirée directement de Dieu. Et on voit que les versets du début sont très représentatifs de tout le reste de ce chapitre. Alors, oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Dans le premier mot, c'est le mot « massa », comme « fardeau ». Et ça commence comme ça dans l'hébreu. Ça commence par
fardeau. Donc, on voit, c'est un fardeau que quelqu'un porte. Donc, c'est une information que Dieu leur donne. C'est la deuxième fois qu'on voit le mot fardeau. Au début, c'était au début d'une prophétie aussi difficile, au chapitre 9, verset 1. Et on voit ici, les détails sont encore plus précis pour nous montrer comment le fardeau est pesant. En fait, dans ce temps-là, il construisait le temple. Et Zacharie devient, il vient parler de ce temple et de cette cité qu'ils sont en train de construire. C'est probablement que c'est pour ça que cette information difficile à avaler, dans le fond difficile à voir, est remplie est parsemée de bonnes nouvelles à travers ça pour que Dieu nous encourage et encourage le peuple qui est en train de construire le fameux temple. Et même ça s'applique aujourd'hui à chaque croyant. Pourquoi? Parce qu'un fardeau, ce n'est pas quelque chose de plaisant, d'intéressant. Mais Zacharie savait qu'il était nécessaire de proclamer la parole de Dieu, même si les gens la rejetaient, et le proclamer sans compromis. Plusieurs fois, c'est pas souvent, je veux dire la plupart du temps, c'est pas très bienvenu chez les gens qui nous entourent. C'est pas drôle d'être obligé de dire à des gens tout en les aimant qu'ils sont dans le péché, expliquer le péché. C'est pas facile, mais quand c'est nécessaire, faut le faire parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et encore spécialement dans ces temps difficiles. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent juste dire les bonnes nouvelles. Ils altèrent la parole de Dieu. Ils la mettent trop facile. Et donc, ils ne parlent pas souvent des choses graves et terribles que le péché apporte. Alors, ils diluent la parole de Dieu pour faire que ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas plus. Ils n'ont plus peur de Dieu. Beaucoup de gens pensent que c'est comme un peu un Père Noël ou un grand-papa qui laisse tout passer, finalement. Et non, ce n'est pas comme ça. Et des fois, on prêche la parole de Dieu, on ne parle pas des passages difficiles. C'est un peu comme, vous savez, la chanson qui dit « Don't worry, be happy, faites-vous-en pas, ça va tout bien aller », voyez-vous? Et même Paul et Isaïe se servent, à un moment donné, Paul se sert du même verset qui était Isaïe, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Vous savez? Et ça ressemble beaucoup au monde d'aujourd'hui. Donc, on voit que c'est une façon cynique de dire, « Bon, tout va aller bien. Hein? » Ce n'est pas vraiment ce que les Écritures disent. Il y a des choses difficiles qu'il faut, qui est là. Alors, on va lire dans Ésaïe 22, 14. « L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera pas pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Oh, ce n'est pas un texte facile, mais c'est un avertissement que faut le dire, parce que ça vient de la parole même de Dieu. Donc, faut dire ça aux gens, que Dieu a déclaré cette chose-là. Il y a beaucoup de gens qui parlent, vous savez, on l'évangile de la prospérité. Ah, Dieu va tout bénir, tout va bien aller. Il y a des choses que Dieu va faire, que ce n'est pas facile. Donc, c'est un genre de virus spirituel qu'on appelle des fois l'hédonisme. On fait tout ce qui nous plaît dans la vie. L'hédonisme, on dit que ça a été inventé, ou en tout cas expliqué par un monsieur qui s'appelait Aristippe de Cyrène, qui vivait à environ 400 ans avant Christ, et qui était un élève de Socrate, et qui enseignait que le but de la vie, c'est d'avoir du plaisir pour soi-même. Et c'est vraiment une image de la société d'aujourd'hui en général. Et c'est vraiment une attitude de moi-même, moi et moi-même, voyez-vous, alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut approcher la parole de Dieu. Et donc, si
le mot, on a parlé fardeau, et immédiatement suivi d'un mot comme majestique, comme majestueux, comme tout à coup, c'est comme si il y a tellement de bénédictions, de belles paroles, on dirait qu'on l'a oublié. On dirait qu'on l'a oublié. Voici le texte qui commence. Et celui qui, l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, au verset 1. Donc, voyez-vous, des cieux, de la terre et de l'homme, comme pour montrer que l'homme est le sommet de la création de Dieu, parce que seul l'homme, la parole dit que seul l'homme a été créé à l'image de Dieu. Rien d'autre n'a été fait à l'image de Dieu. Alors, on voit que c'est un peu comme si Dieu avait mis une couverture par-dessus l'homme et l'a mis dans un endroit spécifique pour son plan qu'il a à accomplir pour l'homme. Et encore le mot ici qu'on voit qu'il a étendu les cieux, ça, c'est le même mot que quand on dit qu'Abraham a dressé ses tentes dans Genèse 12, verset 8, ou Jacob dans le désert, il a dressé ses tentes. Donc on voit que Dieu a fait la même chose, il a dressé au-dessus de la planète, au-dessus de l'homme, sa couverture pour que son plan s'accomplisse. Donc, Dieu fait cette chose-là. Donc, on voit une ville qu'on parle dans la parole de Dieu, c'est la ville de Dieu, aussi appelée la Nouvelle Jérusalem ou le ciel. Donc, c'est une cité céleste qui atteint les croyants qui ont cru par la foi en Jésus-Christ. Donc, on voit que ça devait être l'image d'une nuit où on voit les étoiles magnifiques à travers. Et c'est probablement ce que David a parlé lorsqu'il a dit, psaume 103, verset 11, « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Donc, on ne pourra jamais arriver au bout de l'amour de Dieu. Et c'est un peu le mot « nodzer », de dresser ses tentes, ça n'a plus de fin, la grâce de Dieu au-dessus de nous. Donc, quand on regarde les choses d'en haut, comme la parole dit de se tourner vers les choses de Dieu et non celles qui sont sur la terre, comme Colossiens 3, 2 nous dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Donc, quand on ne regarde pas à notre fardeau à nous, mais qu'on regarde vers le Seigneur, notre fardeau devient léger, comme Jésus nous a dit. Donc, on voit le mot ici dans 12.1, on voit le mot « yetzar » qui dit que c'est le même mot « formé ». C'est le même mot que le potier. Ça fait la même, ça vient d'une même racine que le mot potier. Donc, on voit que comment c'est important. Mais on sait, on a vu la semaine dernière qu'ils ont vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Lui qui a une valeur inestimable, incomparable, qu'on ne peut pas calculer, ils l'ont vendu pour 30 pièces d'argent. Donc, dans le fond, c'est que Dieu est le potier qui est affligé dans le sens où il a de la peine de tout ce que l'homme a fait contre lui, il l'a rejeté. Mais Dieu, dans sa grâce, l'appelle toujours au salut. Donc, dans ce chapitre que nous allons voir, les prochains quatre versets, on entre dans le moment des tribulations, des moments de tribulation dans la grande tribulation. On parle des trois années et demie de l'histoire de cette planète. Alors, nous allons lire les versets 2 à 5. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Judas qui assiège Jérusalem. Dans le siège de Jérusalem, pardon. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris.
et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront, et j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples, les chefs de Juda diront à leur cœur, « Les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. » Verset 2 nous amène directement dans l'invasion de Jérusalem que Jésus nous a parlé dans le texte. Ici, on va aller voir Luc 21 parce qu'ils vont attaquer Jérusalem, vont l'entourer et ils vont attaquer Jérusalem. Chapitre 14, verset 2, j'amènerai toutes les nations à se combattre contre Jérusalem. La ville sera prise, les maisons brûlées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais il y aura un reste du peuple qui ne sera pas enlevé de la cité. Chapitre 14, verset 2. Donc, on voit qu'ils se suivent, mais ces versets parlent d'une même chose, mais entre ces choses-là, il y a beaucoup de versets qui nous parlent de choses positives. Donc, on voit que quand les nations vont entrer envahir Jérusalem, ça va être quelque chose de difficile. Donc, on voit qu'il parle de la coupe de la coupe d'assourdissement. Et c'est pas une petite coupe. C'est comme lorsqu'on voit dans la, vous savez, le bassin de purification. C'est immense. Qu'on voyait dans le temple. Et c'est seulement ici, dans Zacharie, qu'il est traduit une coupe, parce que généralement, on parle du bassin de purification du temple. Vous savez, qui deviennent sous. C'est un peu l'image que comme un voleur qui rentre dans une maison et finalement, il boit ce que dans la maison et il est tellement enivré que finalement, il n'est pas capable de se tenir debout. Il y a une autre image parce que le mot veut aussi dire, le mot coupe, c'est le mot saf en hébreu. Et c'est aussi un mot qui sert à signifier le seuil. C'est un peu comme quelqu'un qui boit tellement qu'il ne voit pas qu'il y a un seuil, qu'il y a quelque chose à terre, il s'enfarge dedans et il tombe. Et il ne se relève jamais parce que pourquoi il est trop enivré, il est trop saoul pour se relever. Donc, c'est ce que le texte dit. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Donc, on voit Jérusalem est décrit comme une roche. Une pierre, mais il pensait qu'il pouvait la lever facilement. Mais on voit tout un problème, que ce soit la Russie, la Turquie ou les pays alentours, ils seront meurtris. Et meurtri, c'est un mot en hébreu, ça vient du mot sarat. Et le mot est yeseratu, ça veut dire une incision, de lacérer, de couper, voyez-vous. Et deux fois ici, dans Zacharie, on voit ce mot. Et ce mot, on le voit trois fois dans la Bible, dans Lévitique 21:5, où est-ce que les gens se coupaient eux-mêmes, les gens qui pleuraient. Et dans Zacharie, on voit ici de couper en morceaux. Et on voit que c'est ce que le texte nous parle, que cette invasion, c'est comme un gars qui amène un beau chat chez eux, puis il ne se rend pas compte que dans le fond, c'est un tigre ou un animal. Et voyez-vous, après ça, il ne peut plus s'en débarrasser. Donc, c'est un peu une image qu'on pourrait donner aussi. Et ce passage-là n'est pas seul. Il y a d'autres passages qui vont ensemble, parce que les prophéties dans la Bible vont tous ensemble. Il y en a partout à travers le livre de Genèse à Apocalypse. Alors, ce texte-là est aussi, on peut faire un parallèle avec
avec beaucoup de textes qui parlent aux croyants, afin que le croyant soit sauvé de cette problématique sur la terre qu'il y aura. Alors, c'est ce que Jésus dit dans Luc 21, on a parlé un petit peu tantôt. Jésus dit, « Quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui sont dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Donc, juste avant qu'ils entrent dans Jérusalem, on voit que le croyant est avisé, est averti de quitter, de s'en aller. Donc, l'idée, ce n'est pas de s'en aller en Israël, mais quand va arriver cette problématique-là, c'est de sortir. Et Jésus aussi a dit dans Matthieu 24, 15 à 16, « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. » Donc, c'est en parallèle avec le texte de Daniel 12, verset 11. Il dit, « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. » Et on voit deux informations bien importantes ici dans le texte. Et on voit comment les prophéties parlent aujourd'hui, et on voit qu'elles sont encore plus claires de plus en plus qu'on avance dans le temps. 42 mois, 1260 jours, 3 ans et demi, c'est toute une façon de dire la même chose. C'est toute la même longueur de temps. Mais quand on regarde la prophétie de Daniel, c'est que dans le fond, ça donne assez de temps aux gens pour pouvoir aller ailleurs, se sauver. Donc, Dieu, non seulement nous dit quoi faire, mais il nous dit quand ça va arriver. Il leur donne combien de temps? On voit que Daniel parle d'un laps de temps de additionnel de 30 jours. Daniel 12, verset 11. Et donc, c'est ce qu'il dit. Je l'ai lu tantôt, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Donc 1260 plus 30 jours, on arrive à 1290 jours. On voit que beaucoup de commentateurs rabbins, des rabbins qui ont fait des commentaires et disent que c'est le début de la colère contre Jérusalem, des nations alentour. Donc, on voit sur le tableau ici ce que nous croyons par rapport à l'enlèvement. Les croyants sont enlevés et Zacharie 12, 2 à 5 est en plein milieu de la tribulation. La grande tribulation est séparée en deux parties. 3 ans et demi, 1260 jours, 42 mois. Là, et en plein milieu, il y a ce texte-là. On dirait que c'est à ce moment-là qu'il y aura les 144 000. 12 000 par tribu qui vont annoncer l'Évangile éternel dont la parole nous parle. Donc, on parle, on voit aujourd'hui, on s'approche de plus en plus et on en parle de plus en plus également. Donc, on voit, il faut regarder lorsque les nations vont entourer Jérusalem et aussi lorsqu'il y aura l'abomination de la désolation. C'est intéressant parce que la façon que le calendrier juif fonctionne, c'est que pour pas que Pâques arrive en plein été, ils ajoutent une journée à un moment donné à chaque certain nombre d'années. Donc, pour la façon de penser d'un juif, c'est pas quelque chose de bizarre tout d'un coup d'ajouter un laps de temps pour... Ils le font déjà dans leur propre calendrier. Donc, on voit
Le chiffre 30, on l'a déjà vu, c'est un nombre qui représente un peu la plénitude ou quelque chose de complété. Donc, on voit que ce 30 jours-là, c'est un très court laps de temps, mais pour que les gens puissent aller se cacher à Petra. C'est intéressant aussi de considérer que dans les chapitres précédents, comme on l'a parlé tantôt, ils ont donné la valeur de Jésus-Christ pour le trahir à 30 pièces d'argent. Lui qui est le Créateur, lui qui est l'Éternel, imaginez-vous. C'est ce que la parole nous dit d'une façon assez triste, mais c'est ça qui est arrivé. Et c'était tout prévu dans le plan de Dieu. Donc, on voit, souvent, c'est un genre de double référence qu'on voit parfois dans la parole de Dieu. Et c'est arrivé déjà dans le passé, lorsque, en 66, quand les Juifs, avant un peu la destruction du deuxième temple, en 66, les chrétiens, les Juifs qui ont lu les Écritures, qui ont lu les avertissements, se sont sauvés, se sont cachés à Pella avant la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ. Donc, on peut se demander que dans cette prophétie de Zacharie, ça a l'air d'un côté, c'est difficile, il va y avoir une invasion, il va y avoir des guerres, ils sont hostiles aux Juifs, c'est déjà commencé aujourd'hui. Et s'ils se mettaient tous ensemble maintenant, il y a beaucoup de gens déjà à l'intérieur d'Israël et alentour. S'ils se mettaient tous ensemble, ils pourraient, dans un sens, détruire Israël. Par contre, Dieu n'a pas dit son dernier mot avec Israël. Et c'est ce qui va nous amener jusqu'au retour du Seigneur. Avant d'aller plus loin, on va regarder... Quand ils vont assiéger Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce que dans le texte, on voit Jérusalem, ça va être aussi contre Juda? Mais on peut se poser, est-ce que Jérusalem n'est pas dans Juda? Il y a des gens qui disaient comme si Juda était pour attaquer Jérusalem. Mais on pourrait plutôt voir que les nations alentour vont forcer les gens à attaquer Jérusalem. Peut-être qu'on peut regarder dans le nom lui-même de Judas, qui représente souvent tous les Juifs de la diaspora dans le monde. On voit dans certains targums qui sont des livres que des Juifs du premier siècle, des commentateurs rabbiniques, etc. Il a dit un commentaire au sujet de Genèse 49, 8. Il a dit, « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. » Et pour l'interpréter, il dit, « Et de ton nom, tous les Juifs seront appelés. » Donc, on voit que parfois, on appelait les Juifs, pour les représenter, on disait un seul nom, on disait Judas. Donc, on voit que ça pourrait vouloir dire qu'ils vont être contre tous les Juifs de la diaspora et non seulement contre le pays d'Israël comme tel. Donc, on pourrait voir ici vraiment une indication de l'antisémitisme qui grandit. On voit ici au verset 4, lorsqu'il parle que les Juifs de la diaspora, comme on vient de dire. Dieu dit au verset 4, « J'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux des peuples. » Et au verset 5 dit, « Les chefs de Juda diront en leur cœur, « Les habitants de Jérusalem sont notre force par l'Éternel des armées, leur Dieu. » L'Éternel des armées, ici, leur Dieu. On va parler de ce mot-là maintenant. Et on voit, ils vont être encouragés que Dieu les protège. Lorsqu'on parle de ce mot, le Seigneur des armées, donc c'est le Seigneur des armées du ciel, et on voit qu'il est prêt à juger. Et nous
On ne veut pas le rencontrer de cette façon dans le jugement. On veut plutôt connaître Dieu qui protège le croyant, son peuple également. Donc, ce mot, l'Éternel des armées, est 53 fois dans le livre de Zacharie, qui c'est à peu près un quart des fois où ce nom est mentionné dans toute la Bible. Imaginez-vous l'importance de ce titre-là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant à voir. Et on parle de ce jour. Versets 4, 6, 8, 9 et 11 parlent souvent de ce jour, le jour du Seigneur, ou ce grand jour. On le voit environ 80 fois dans les Écritures, et ça parle toujours de la fin des temps, ce que Daniel appelle dans son livre « Les temps de la fin ». Les temps de tribulation, et il y a d'autres textes qui parlent aussi de l'angoisse de Jacob, qui est un peu une façon de le dire également. Le concept du jour du Seigneur vient d'une notion que les rois qui étaient en conquête à ce moment-là appelaient ça. Ils disaient qu'ils voulaient détruire l'ennemi en un seul jour, pardon. Verset 6, on voit ici grâce par-dessus grâce. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les temples de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem, ne s'élève pas au-dessus de Juda. Verset 8. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et le faible parmi eux sera dans ce jour comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors ici, on voit les chefs de Juda comme un feu qui va consumer comme du bois et les peuples alentours, à gauche et à droite. Comment on peut comprendre ça? Est-ce que c'est la guerre ou est-ce que c'est la parole de Dieu qui s'éteint? Jérémie 5,14, il est dit, « Je mettrai mes mots, il dit à Jérémie, « Je mettrai mes mots dans ta bouche comme un feu et les gens seront comme du bois et cela les dévorera. » Donc, on voit ici, c'est comme une complainte de ce qui arrivera dans le temps de la tribulation et qui pourrait être dans d'autres Écritures. Nous voyons qu'il y a tellement de gens qui vont en venir à croire. Quand on peut penser, on a parlé tantôt, les 144 000 vont amener l'Évangile. Il y en a tellement de gens qui vont accepter le Seigneur que Jean dit dans Apocalypse 7, 9, il dit que « Je regardais et voici une grande multitude et que personne ne pouvait compter des tribus, des peuples, des nations qui étaient devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches et avec des branches de palmiers dans leurs mains. » Apocalypse 7, verset 9. Et on peut voir ici les mots d'encouragement de Dieu dans verset 7 du chapitre 12. Il dit qu'il protégera les tentes de Juda, premièrement. Mais si Juda décrit les Juifs de la diaspora, c'est comme s'il les promet qu'il va d'abord les protéger afin de les ramener dans leur pays pour les temps messianiques, pour le millénium. Donc, au verset 8 que nous lisons, « Dans ce jour, le Seigneur défendra les habitants de Jérusalem. » Et celui qui est faible en ce jour-là sera comme David,
et la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc, on voit ici, Dieu et l'ange de l'Éternel seront ensemble pour protéger Israël contre les nations. Il dit ici qu'il sera comme David. Et ensuite, que la maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. Donc, on voit ici comment David, vous savez, vous rappelez, lorsqu'il était petit contre Goliath, mais quand même, il a gagné parce que Dieu était avec lui. Pour ceux qui m'ont jamais entendu dire ça, quand on parle de l'ange de l'Éternel, quand on parle d'un ange, ce n'est pas sa nature. Donc, Jésus n'est pas un ange. Mais quand le mot « ange » est dans la parole de Dieu, les textes, les commentaires nous disent que, dans le fond, ça parle de sa fonction. Parce qu'un ange est un émissaire, est quelqu'un que Dieu envoie. Donc, ça parle de sa fonction. Donc, Jésus n'est pas un ange. Parce que Jésus est adoré par les anges eux-mêmes. Et on n'adore pas autre chose que Dieu. Donc, on voit que la clarté de ça. Donc, l'ange de l'Éternel, on le voit souvent dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous savons que ça représente, lorsque Dieu vient sur la terre, c'est l'ange de l'Éternel, c'est Jésus qui venait sur la terre avant son incarnation comme telle. À la fin, le Seigneur viendra pour... on va revoir le verset 9 encore, qui dit que toutes les nations vont venir contre Jérusalem. Donc, il parle du mot ici, ils vont chercher à détruire Jérusalem. Il y a un rabbin qui a dit, pourquoi dire « je rechercherai à détruire les nations » Est-ce que quelqu'un qui peut se tenir entre Dieu et ce qu'il désire faire? En fait, le mot « chercher » ici, en hébreu, c'est un mot qui veut dire étant donné que Dieu est omniprésent et omniscient, c'est pas qu'il cherche quelque chose qu'il n'est pas capable de trouver, c'est plutôt qu'il examine, qu'il est comme jugé, comme vous savez, comme un juge dans un cours, il doit écouter, il doit regarder l'ensemble de la preuve avant de décider. Donc, c'est ce que Dieu fait. C'est comme Jésus a dit dans Matthieu 24, lorsqu'il parle du jugement qu'il y aura. Matthieu 25 est la suite de Matthieu 24. Et on voit le même auteur. « Toutes les nations seront devant lui et il séparera une et l'autre, comme un berger sépare les boucs des brebis. » Et il va mettre les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Donc, on voit qu'avant le jugement, etc., il prend toutes les nations et il les amène devant lui et il les juge sur la base de quoi? C'est comment ils auront traité Israël durant le temps de la tribulation. Donc, il y aura un jugement, comme on disait tantôt, comme dans une cour de justice où Dieu les séparera. Et on voit les gens qui auront aidé les Juifs, souvent c'est parce qu'ils sont des croyants, donc ils font partie du plan de Dieu pour protéger les Juifs. Et c'est arrivé souvent durant le temps de l'Holocauste. Comment les nations et du peuple, comment ils vont réagir la première fois qu'ils vont voir Jésus? C'est là qu'on arrive aux meilleures parties du texte, au verset 10 maintenant. Et à ce moment, je vais trouver. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né.
Donc, c'est une prophétie très claire que même un enfant peut comprendre. Même les rabbins, dans leurs commentaires, ont dit c'est le Messie. Dans plusieurs livres, Midrash Rabbah, et il y a plusieurs rabbins qui ont dit ça également. Donc, on va aller voir plus tard dans notre étude. Pour le moment, encourageons-nous à voir que nous pouvons trouver dans l'Éternel, dans le Seigneur, un réconfort, un encouragement. Regardez les mots encore. Ils tourneront les regards vers qui? Vers moi. Et ils pleureront sur lui. Alors, qui est moi et qui est lui? Dans ce texte, c'est Dieu qui parle. C'est lui qui va mettre sur le reste des Juifs à ce moment-là un esprit de supplication que seulement Dieu peut créer dans le cœur des Juifs à ce moment-là. Et qui est le « lui » Et « lui », c'est celui que nous savons que Jésus a été crucifié. Donc, c'est « lui » qui vont regarder, c'est le Messie lui-même. Yeshua HaMashiach, le Fils de Dieu, le Jésus le Messie, le Fils de Dieu. Et dans la descendance de David. Jean 19, 37, l'apôtre Jean a amené cette écriture-là en disant, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Donc, on voit ici, il dit, parce que lui, le moi et le il sont le même. C'est le Echad, quand on dit le schéma Israël, Deutéronome 6, qui dit que l'Éternel est un, l'unité. Donc, on voit que Dieu prépare ce moment-là. Et pas seulement Israël qui a percé Israël, parce que Jean dit, dans Apocalypse 1, 7, « Il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Oui, amen. Donc, on voit, c'est tout le monde. Le mot « tribu » en grec ne parle pas juste des tribus d'Israël, mais parle des tribus, des nations, la Septante parle de ce mot-là souvent en termes de famille. Donc, toute personne, tout homme dans le monde s'apercevra qu'ils vont reconnaître que Jésus, le Messie, est vrai. Qu'ils le croient ou non, ils vont le voir. Ils vont savoir que c'est lui. Et le mot « percé » dans l'hébreu, c'est le mot « d'accord ». Et c'est comme quand on perce avec un clou, avec un couteau, quelque chose de très pointu. Mais c'est pas seulement d'ouvrir, c'est plus profond que ça. C'est le mot vraiment « transpercé », comme un rabbin a dit, qui s'appelle Kimchi, qu'on appelle Radak, il dit dans son commentaire que le mot « transpercer » veut dire « le tuer ». Et le texte dit « et ils se tourneront vers moi qu'ils ont percé. » Oui, ils vont se lamenteront sur lui. Un peu comme un parent qui voit son enfant de tuer comme devant lui. Imaginons le cœur d'un tel parent, c'est quelque chose de terrible. Et Dieu a vécu ça dans sa grâce envers nous lorsqu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous afin de nous offrir la vie éternelle parce qu'il prend notre place de jugement. Alors à ce moment-là, en croyant à la parole de Dieu, en croyant à Jésus, la Bible dit qu'il est passé de la mort à la vie et il ne vient pas en jugement. Jean 5, verset 24. Donc, on voit ici que le Messie sera transpercé. La mort d'un premier-né, ça montre la douleur que le père a eue à vivre lorsqu'il a vu son fils mourir sur la croix. Mais tout ça était voulu, planifié de Dieu afin de nous offrir le salut. Bien, la prochaine fois, on va voir un peu plus en profondeur le reste des textes. Maintenant, nous allons prier. Nous allons commencer par une partie de texte d'une ancienne prière.
en hébreu. Notre Père éternel, nous te remercions pour tes mots puissants et nous réalisons à travers notre voyage sur ce temps que tu es toujours avec nous qui avons cru en toi. Ensuite, nous disons que le Dieu qui efface nos transgressions pour la gloire de son nom et ne se souvient plus de nos péchés, qui nous délivre continuellement des fardeaux communs à tous les humains, afin que nous puissions glorifier son nom. Que l'Éternel des armées nous accompagne, afin que nous allions de gloire en gloire jusqu'au moment où nous recevrons la couronne de vie que le Seigneur a préparée pour ceux qui l'aiment. Que le Seigneur lève sur vous sa face et fasse luire sur vous sa face et qu'il vous bénisse. Amen. Amen.